Montez.
arrive. Ah, David, vous pensez 3, 2, 1, mais bon, je ne peux pas faire le final. Comme il dit 3, ce serait bien de dire. Elle était finie la finale, non? Téléphone ouvert. C'est bien annoncé. Parce que juste après, on aura la finale 1600. On t'appellera tout de suite ou pas? On t'appellera tout de suite. Pour le kart numéro 44 de Steve Buffick. Steve, le 44, il est... Ah oui, il est peut-être pas... Papa Steve, s'il te plaît, Steve. Steve. Papa Steve Buffick, monsieur Buffick, papa. Voilà. Ah, il est perdu, hein. Ah ouais. Steve Griffin, le 44. Alors, la 9e place pour le kart 67. Mais notre pointage est bon. C'est notre repêché de la finale B. Nicolas Joss avec le kart 67. La 8e place pour le kart numéro 41. C'est celui de Jonathan Morgan. La sixième, septième place, pardon, septième place, belle remarque. C'est la septième place pour le kart numéro 45, c'est celui d'Erwan Deniou. Et Erwan, le 360, et tu repars, et tout va bien. Le 360 là-bas. Au bout, presque au bout de la ligne droite, là, presque au niveau du poste de la direction de course, et on repart, tout va bien, ouais, part. Allez, le pied dedans, tout va bien. Le kart numéro 109, c'est celui de Bruno, Bruno Gazman qui vient prendre la sixième place. Cinquième place ici, à Gomenet, c'est Christophe, Christophe Cardiet, oui absolument, Christophe vient prendre avec le kart numéro 9, la cinquième place. La quatrième place pour Anthony Gorin, c'est le kart numéro 309. Attention, nous rentrons sur le... et nous marchons sur la troisième place et la troisième marche du bonhomme Messier Gobelet, le kart numéro 55 de Florent Mecky. La seconde place pour... celui qui était également très spectaculaire dans cette finale, Lionel Gilioc. C'est le kart 119. Et puis, la victoire, il devient donc maintenant le nouveau leader de la Coupe Brest-Cross Tour 2013. C'est Philippe Tesson, le kart 83. Une dernière fois, messieurs, s'il vous plaît, une dernière fois. Vite, face au public, face au public. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, messieurs. Allez, une dernière fois face au public. Allez, une dernière fois face au public. Merci. Ouais.